quand même pas mauvais comme match. Salut à tous, il fait beau sur Liverpool et match, sur Anfield aujourd'hui, ce qui, avouons-le, n'est pas toujours le cas. Je serai bien sûr avec Pierre-Ménès qui nous fera partie des analyses. C'est une rencontre qu'il va falloir bien négocier parce que les espoirs de titre peuvent s'envoler pour de bon aujourd'hui. Liverpool face à Manchester United. Ouais, un match qui s'annonce quand même assez délicat pour ces joueurs. Ils n'ont pas le droit de perdre aujourd'hui, sinon le titre ira à la concurrence. Non, c'est un petit peu fort, ce sera pour le gardien. Et c'est le cœur qui capte ce ballon. Andrew Robertson. Et le ce qui permet le ballon. Van Dijk. Andrew Robertson. Bon, il est passé, il va pouvoir marquer. Attention à nouveau. Oh, il a sauvé son camp sur cette action. On va suivre deux joueurs dans ce match, Pierre, qui, à notre avis, détiennent les clés de la rencontre. Deux éléments clés de leur équipe, on attend beaucoup d'eux. Non, non, il y a position de jeu. Attention, il peut centrer là. La bonne intervention défensive, mais ce n'est pas terminé. Ouais, allez, les joueurs de Manchester qui doivent s'appliquer. C'est une touche pas mal placée. Les Red Devils à l'attaque. Fernandez, centre repoussé par les points d'Alison Becker. Ballon en profondeur. Oh oui, la bonne option. Okay. Et c'est sur la barre. C'est une occasion qui joue à rien. Pour quelques centimètres, ils auraient pu prendre l'avantage. Ballon perdu pour Manchester United. Firmino. Avantage, laissé à Liverpool, ça joue. Diogo Jota. Encore coûté très cher ce but. Très cher dans la lutte pour le titre. Ah oui, parce que les joueurs se retrouvent avec un but de retard alors qu'ils sont censés gagner. Ils vont être sacrés champions. On finit ce match. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ils attendent la bonne ouverture pour aller piquer et égaliser. Thiago Alcantara. Mané. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Roberto Firmino. Ouais, la récupération, il était là. Ah, peut-être quelque chose à faire là pour Salah. Ah, il a bien lu le jeu. Anderson. Liverpool qui perd le ballon. Cavani. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Edinson Cavani. Edinson Becker qui capte ce ballon. Peut-être l'égalisation. Le but. Le but pour Manchester United qui égalise.
Là, ça, c'est ce qu'on appelle un but casquette. Hein. C'est même plus une casquette. Là, c'est... Il va falloir s'en remettre de cette boulette. Hein. Allez, tout est à refaire. Un but partout. C'est énorme. C'est classant ce titre là, les 8 ou ça. Roberto Firmino, Jordan Henderson, Diogo Jota, Andrew Robertson. Oh, il l'a bien vu, il l'a bien vu, c'est bien joué. Et le drapeau qui s'est levé pour Cavani, hors jeu. Henderson. Roberto Firmino. Thiago Alcantara. Cavani. Matip. Henderson, Diogo Jota. Et... il aurait dû retarder son appel. Ça se confirme, statistiques à l'appui, ce sont bien les Reds qui dominent en termes de possession. Et bon, ça ne veut pas dire grand-chose en termes de... Allez, il faut le mettre celui-là. La puissance était au rendez-vous, mais pas la précision. Eh ouais, ça passe au-dessus. Qui perdait le ballon. Les joueurs de Liverpool qui continuent leur action. L'arbitre a fait signe de jouer. Oh, le tacle glissé. Attention au pénalty. Greenwood. Contre-attaque peut-être. Non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Edinson Cavani qui va poursuivre son action. Oh! Roberto Firmino. Moussala. Thiago Alcantara. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Un superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. Une belle action individuelle. Manchester United qui est mené. En profondeur, oui, bien vu. Oh, on l'a vu. Oh, les joueurs de Manchester United qui égalisent. Eh oui, c'est le grand retour du tiki-taka. Ça fait plaisir de revoir des actions de circulation. C'est ce que c'est la mode, hein, même dans le foot. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Sadio Mané. Ah, c'est un joueur dur, hein. On l'a vu sur cette récupération. La mi-temps sifflé à l'instant par l'arbitre. Il y a eu le début. Il reste du suspense avec ce 2 partout à la pause. J'ai vu que la petite. J'ai vu que le jeu. Petit travail là. Au revoir, madame. Mmh.
Voilà, c'est reparti. Ballon dans les pieds des joueurs de Man United. Wan-Bissaka. McTominay. Pogba. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Diogo Jota. Edinson Cavani. Oh, il s'est ouvert un boulevard. Marcus Rashford. Oh. Il change tout. Il change tout ce but. C'est peut-être le but du titre même. Ah ouais, si les joueurs restent là, c'est même certain. En gros, les minutes. Liverpool qui est mené. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Ils étaient virtuellement champions il y a quelques secondes. Ils ne le sont plus avec ce but encaissé. Ouais, mais ce score de parité doit les faire réagir et puis rapidement si possible. Hein. Parce qu'on voit qu'ils ne sont pas à l'abri dans ce match. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. Je peux dire moi ça là. Je vois bien que je vais bien. Rashford. McTominay. On va gagner maintenant. Rashford. Ouais, lumineux cette passe. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Corner. Manchester United qui va essayer de prendre l'avantage dans son. Ouais, c'est au-dessus. Juste au-dessus cette tête. Ouais, il a essayé de la rabattre, mais pas suffisamment. Dommage. Il y a des Vils qui vont récupérer la touche. Et Wan-Bissaka. Hein. C'est donné sur l'aile. Rashford. Edinson Cavani. Il alerte son partenaire dans le dos. Ouais, cette fois, c'est le gardien qui gagne le duel. La lecture de la trappe. Edinson Cavani. Thiago Alcantara. Thiago Alcantara. Diogo Jota. Oui, magnifique cette passe. Attention, il peut y aller. Oh, le petit ballon piqué. Oh, il avait son temps, il avait tout son temps sur cette occasion. Il a fait n'importe quoi. Il a peut-être eu peur du gardien, je sais pas. C'est dur à analyser, un loupé à ce niveau-là. Manchester United à l'attaque. Allez, ça peut peut-être se jouer là. C'est exceptionnel, hein, ce qu'il est en train de faire. C'est son troisième but. Liverpool qui est donc mené. Poison, au terre. C'est maman qui a dit. Harry Maguire. Il est bloqué là. Elle est dans le couloir. Une jolie séquence de passe pour Manchester United. Il repousse le tir. Le corner en direction du point de pénalty. La bonne présence là du gardien. Ce duel. Super de la balle piquée, il marque. On revoit la contre-attaque qui amène le but. Le buteur qui finit le travail en humiliant un petit peu le gardien au passage avec ce petit ballon déposé juste derrière lui. Ah, décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Ballon perdu pour Manchester United. Ça sera donc un corner suite à cette déviation. Ah, il est bien tiré le corner là. Sadio Mané arrive au derrière mais qui n'a pas capté. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Alors le ballon est perdu. Ouais, bien donné ce ballon. Attention, attention à Cavani au second poteau. Ok. Alors, ça
pensait que c'était le bon geste à faire, mais c'est complètement raté. Marque contre son camp. Il va falloir être costaud maintenant. Les voir, ils sont tous les deux. Allez, il ne faut pas se focaliser sur cette bourde. Un goyeux, il aurait été beau. Ouais, lui, c'est pas ça. Il aurait dû retarder son appel. Tout maintenant, on est dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Julien qui perd le ballon. Salah. Diogo Jota. Il n'y a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Roberto Firmino. Oh, c'est contré ce tir. Firmino. On sent que cette équipe de Liverpool est en confiance avec ses échanges. Non, centre là pour le gardien. Un corner. Un corner en cette fin de match. Une occasion pour eux d'égaliser. Récupéré dans le camp de l'adversaire. Sadio. Pour Liverpool, mais le score qui ne bouge pas. Toujours un but de retard pour les Reds. Et les joueurs qui vont redoubler d'efforts pour essayer d'inscrire le but qui leur permettrait de rester en vie dans la course au titre. On rappelle que la défaite est interdite et ils le savent bien sûr. C'est vrai qu'il est urgent de marquer maintenant. À mon avis, il y a la place. Mais il va falloir quand même proposer autre chose et puis sans trop tarder. La touche pour Liverpool. Dans la possession du ballon, ce sont les Reds qui ont dominé le dernier quart d'heure. Donc à la clé, pas mal d'occasions dangereuses. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Et le but. Et les deux équipes qui sont de nouveau à égalité dans ce match. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. Rashford. Une action qui peut être intéressante. Allez, le plongeon va prendre le photographe, même si c'est vrai quand même le danger était réel. Ouais, enfin, ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. C'est manqué, cette tête qui ne donnera rien finalement. Bah ouais, le timing est pas bon, du coup ça passe largement à côté. Ballon perdu pour Manchester United. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Attention à nouveau. Ah oui, le but. Il passe devant, juste avant la fin. C'est Manchester United qui est mené. Ah, il n'y aura que 2 minutes de temps additionnel à jouer. Rashford. Allez, il faut s'appliquer. Peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match. Edinson Cavani. La fin du match qui est sifflée à l'instant par l'arbitre. Et décidément, cette équipe a vraiment de la ressource. Elle ne veut pas ce titre. Ouais, vraiment. Firmino. Et vamos que no hago el audio. Sa saison là, a gagné une courrier à l'os. On peut en faire, ouais. Il a quoi pas diffusé que toi? Yes.
Non, coupé, tu vas voir. Il y a rien, on va recommencer. On va recommencer. Ok. Évidemment, à cause de connexion internet, pas bon. Un gamin latence, c'est impossible. Puis Marie-Bessie, oui, on tue. Une cancel, là. On va avoir vu toi, là. Tout bien sa saison là pour suivre FIFA là. Pour suivre le dommage intérêt. Salut à toutes et tous, bienvenue à Liverpool dans ce stade d'Anfield, bien évidemment en compagnie de Pierre Ménès qui est à mes côtés, toujours fidèle. Quelques visages inquiets dans cette équipe parce que sans un bon résultat aujourd'hui, les espoirs de titre pourraient s'envoler. Liverpool affronte le Paris Saint-Germain. Droit à l'erreur pour eux, une défaite aujourd'hui, le titre s'envolerait définitivement. On espère qu'elle saura faire preuve d'agressivité, d'envie et qu'elle évitera de retomber dans ses petits travers. Si elle réunit ces quelques conditions, elle sera peut-être encore dans la course au terme de ce match. Allez, l'occasion peut-être de mener. Ah, il pourrait coûter très cher ce but. Très cher dans la lutte pour le titre. Ah oui, parce que les joueurs se retrouvent avec un but de retard. Ils sont censés gagner pour être sacrés champions. On finit ce match. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. C'est bien joué défensivement, bien vu. Kylian Mbappé. Et Mbappé qui perd le ballon. La chevauchée de Neymar. Intervention du gardien. Marie a misé de bien miser, hein. Tu me baisses à la Rudolph. Et il y a un bug là-dedans. Hein. Ça fait mal là-dedans. Il y a un bug là-dedans. Hein. Et puis à mettre ça là, le côté droit, et taper des soins, puis monter mon salaire à chaque fois. On a magnifié mes mêmes affaires, pas les soins sans jeu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, oh, il y a une bug là-dedans. Il n'y a plus soin faire et tout, non, rien. Il y a un bug là-dedans, Au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ça fait le boulot, c'est tout ce qui compte. Ah, il part bien, ce corner de Di Maria. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse.
C'est pas tout à fait mon réponse, je m'en emmène. Point épaisé l'eau. Allez, c'est pas fini encore. Il a fait non. C'est un gaucher. Tout dernier moment. C'est gaucher, c'est Mané. Mané, tu as la vidéo côté gauche. Il va faire ça bon. Au second poteau, il y a Neymar. La reprise magnifique. Magnifique but. Une reprise parfaitement exécutée. Et ils égalisent donc un but partout. Et qu'est-ce que ça a fait? Anderson peut se déjà Mané. Salah. Le ballon est perdu non, sur cette belle intervention. Kylian Mbappé. Mbappé, dans ce genre de situation, difficile de l'arrêter. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Attention au déboulé de Salah sur le côté. Occasion de prendre l'avantage. Ouais, le bon tacle. Anderson pour Firmino. Roberto Firmino. Diogo Jota. Attention, attention à lui. Et le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Il va falloir préserver ce résultat maintenant. Ça va pas être facile. Le PSG qui mène au score. Dégager ce ballon. Mais le gardien qui fait des... Verratti. Oh, quelle frappe. Oh, quelle frappe magnifique. Et c'est encore un tour au score. Une nouvelle égalité. Et ce ballon est intercepté. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain. Il a fait signe de jouer. Et attention, là, il s'échappe en solitaire. Ah, attention, parce que ce but, Pierre, il permet à ses joueurs d'être virtuellement champion. Ah, c'est vraiment tais-toi, Hervé, tu vas l'emporter là. Et les font un petit pareil. Neymar. Et la bonne intervention de Van Dijk. Virgil van Dijk. Roberto Firmino. Il glisse ce ballon en profondeur. Il faut trouver une option disponible. Attention, il peut aller au bout maintenant. Oh, il attrape le montant. Ah, c'est une égalisation qui lourde les conséquences parce que le titre s'éloigne. Ouais, c'est celui qui remet tout en question. Bon, c'est pas le moment de trop réfléchir. Il faut repartir au combat. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. Di Maria qui ne trouvera pas son coéquipier. Il y a du ballon, Salah. Là, on va à la côté droit. On va taper au Mego. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Oh, le but encore. Et celui-là, il fait très mal. Hein. Il fait très mal parce que l'écart est en train de se creuser. Non, pas pour la capitale menée au tableau d'affichage. Mbappé, oui, bien joué en profondeur. Il rate pas. Les ballons dangereux, car il y a Neymar. Incroyable, 3 buts dans ce match pour lui, Pierre. Ouais, en attendant, 4e peut-être, hein, parti comme il est, pourquoi pas. L'action gagnante que l'on revoit en ce moment avec cette passe en profondeur. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Et avec ce but, tout est à refaire. Ah, le ballon qui est donné en profondeur. Très bonne sortie du gardien qui est vraiment... oh l'erreur du gardien. Bon, Pierre, c'est pas joué hein, ce match. Un coup de pour lui. Non, enfin, clairement, les deux équipes sont très proches et à mon avis, pendant un moment, ça va s'observer sévère. Allez, danger certainement avec Kylian Mbappé.
Oh, la faute, et il y avait danger, et l'arbitre, logiquement, va sortir un carton. Et voilà, carton jaune pour le joueur de Liverpool. Ah, l'arbitre ne laisse pas passer cette faute. Il n'y a pas de raison qu'il le fasse en plus. Oh, le tir qui vient raser le montant. C'est pas mal fait du tout, ça. Ça aurait peut-être mérité un meilleur sort. Wow, alors ça, c'est des stades de folie. Hein. Le ballon passe d'un but à l'autre, on ne s'ennuie pas une seconde. Et pour finir, le match est un défi, c'est génial. Kylian Mbappé. Allez. Attention, le tir. Attention, il a lâché le ballon. Ah, depuis ça, là, il y aura une règle. Ce qui permet le ballon. Et le centre est pour Neymar. Un danger qui s'écarte avec ce long dégagement. Sadio Mané. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Ah, il aurait dû retarder son appel. Il y aura une minute seulement, une minute minimum de temps additionnel. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Ouais, le tacle. Il y a quelque chose. C'est une première période assez exceptionnelle qui s'achève. 8 buts. Ok, on peut se tenir à quelque chose. Ça fait plaisir. Hein. Match qui reprend à l'instant. Après une première période serrée vraiment entre les deux formations. Si tu gagnes un match, il y a bug là aussi. Ça. Ils ont gagné, ils sont gagnés. Une blague, c'est bien. Mbappé. Perdu, mal donné par Kylian Mbappé. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Et c'est Liverpool qui marque. Le joueur qui avait fait un gros travail en éliminant ce défenseur. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Ah non, cette action qui s'arrête. Ça a dû mener. Et ça s'est donné comme il faut. Ah non, d'accord. Il faut s'arrêter finalement. Ouais, le ballon touché par le défenseur avant de sortir, ce sera donc un corner. Et non, Nico aussi, t'as un mauvais dans le gauche. Van Dijk. Oh, pas du tout cadré. Non, et honnêtement, vu comment il s'y est pris, ça risquait pas. Non. Non, non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Bon. C'est un ballon destiné à Angel Di Maria. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Et encore une bonne passe. Un ballon perdu. Un petit peu bêtement par Sadio Mané. Angel Di Maria, il a du soutien. Attention vers Neymar au deuxième poteau. Ouais, il repousse, ça joue. Et c'est le but. L'égalisation parisienne. Égalisation pour le Paris Saint-Germain. C'est dommage pour le gardien parce qu'il repousse le danger sur le premier arrêt, mais ben ensuite ça va très vite. Hein. Ça termine dans les pieds à l'adversaire et à ce niveau, c'est but direct. C'est clairement pas de sa faute. Il va, Kylian Mbappé, attention, ça c'est dangereux. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Qui perd le ballon. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Et encore un but. Ça fait deux coups sur coup. Et là, la victoire qui se dessine. Liverpool qui est donc mené. Ouais, bien joué l'interception. Attention. Eh, ce but de Pierre, on est d'accord. Pour l'instant, c'est le tout qui est en poche. Ouais, les chiffres sont là quand même, hein. C'est jamais impossible, mais là, à mon avis, ils se sont définitivement mis à l'abri. Et ils ont marqué pratiquement sur l'engagement. Oui, maintenant, ils vont peut-être leur mettre une valise en plus. Hein. Une véritable avalanche de buts dans ce match. Le genre de rencontre qu'on adore avec les entraîneurs de test. Bonne transmission. Voilà, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il se balade littéralement. Ils reviennent dans le match. C'est peut-être le but de la révolte. On re-
revoit ce bon centre en retrait, bien donné dans le tempo. Après, c'est pas la peine d'en faire des caisses, hein. Deux joueurs contre le gardien, c'est inratable. Marco Verratti, Florenzi. Verratti. Et ce ballon qui est récupéré. Ça c'est bien joué dans la course. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Anderson. Attention à la frappe. Oh le voilà. Et le but qui va être refusé et car l'arbitre assistant a levé son drapeau. Ça doit se jouer à pas grand chose. Hein. Un petit peu de jeu. Mais non, finalement c'est un ballon perdu. Ouais, ça profite. Ouais, il est passé, il file vers le but. C'est Domenech qui s'est raté en donnant ce ballon à l'adversaire. Ça peut lui arriver également. Neymar. Mauro Icardi. Ah, c'est pas loin. Pas loin du tout. Il a voulu jouer en finesse, c'est bien vu, mais ça n'a pas payé cette fois. Ouais, on passe par les côtés. Un long ballon, loin devant. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Il s'est ouvert le chemin du but. Et un bon coup à jouer, là. Oh, remarquable, remarquable l'intervention d'Alisson Becker dans son 1 contre 1. Ah, la belle précision de Neymar sur ce corner. Pouvez toi faire un droit, tu tapes de côté droit. Tu peux mettre de côté gauche. Il y a sa gueule. Ballon perdu par les Parisiens. Et là, l'intervention de Van Dijk. Vous entendez ça, hein, si les Reds parviennent à arracher le nul, ils devront en grande partie au public d'Anfield. On s'entend plus là-dedans. Un but. Il manque un but à cette équipe pour garder ne serait-ce qu'un petit peu d'espoir dans cette compétition. Je rappelle que si le score n'évolue plus, ça sera terminé de leur chance. Ouais. Attention à Neymar, attention à Neymar. Oh le but, oui. Tu connais toi ce gars, là. Le joueur qui avait fait un gros travail en éliminant le défenseur. Et après, elle a frappé magnifique, très puissante. Pas sûr même que si le gardien avait été sur la trajectoire, il aurait pu l'arrêter. Neymar. Kylian Mbappé. Il l'a bien vu, il l'a bien vu, c'est bien joué. Pour Neymar en premier poteau. Marco Verratti, le défenseur qui prend le risque sur ce tacle. Surface c'est gonflé quand même. Verratti. Ouais, le ballon qui est perdu. On entre dans les 4 dernières minutes de cette rencontre. Kylian Mbappé. Ouais, bien joué. Beau geste défensif. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Oh l'occasion, oh magnifique l'intervention de Keylor Navas. Il est décisif hein, le gardien de but sur cette action, Pierre. Ouais, d'abord avec un super arrêt et puis il a été présent jusqu'au bout. Il peut relancer maintenant. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Thiago Alcantara qui voit sa passe interceptée. Qui perd le ballon. L'arbitre qui siffle la fin de la partie. Et c'est donc terminé. Le titre est définitivement attribué à leur adversaire du jour. Mais le moment est avant même la clôture de cette saison. C'est cruel, mais voilà, c'est comme ça. La joie d'un côté, la détresse de l'autre. Oh, je veux pas casser l'ambiance, hein, mais sur une saison, il n'y a jamais quand même vraiment de surprise. Le plus fort l'emporte toujours. Le haut niveau, ça ne pardonne pas. Et il faut être au top à tous les matchs.
Et la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, ouais, il y a les joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus. C'est un moment à la fois solennel, mais quand même festif et un peu déconnant, quoi. Roberto Firmino. Il faut finir là. On vient de gagner. Il est là. Ouais, je vais attendre. T'as aussi gagné du coup, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. On m'a réunifié jour, on a fait un cancel. Qui est-ce qui te fait jouer là? Hmm? La poule? Ah, mon bon Real là. Ah, lui, il me semble de l'équipe alors. Au cas où c'est lui, c'est moi. Ils sont 21 000 ans là. Non. 26. Il y a des gens qui ont envie de tirer à chaque mois, ils ont envie de tirer à la bière. Il paraît. Tu es venu pour nous, tu tires à la bière, tu tires à chaque mois. Ah, il est venu. Il est venu. Il a fait quoi le film? Tu veux me venir. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver ici à Madrid depuis le stade Santiago Bernabéu. C'est une nouvelle rencontre que nous allons vivre ensemble avec Pierre Ménès. C'est le tout premier match de cette saison. L'affiche est prestigieuse, hein Pierre. C'est-à-dire que la saison dernière, on a eu des prestations assez indignes. Espérons qu'ils ne commettront pas une nouvelle fois toutes ces erreurs. L'objectif aujourd'hui, c'est clairement les 3 points, histoire de laisser tout ça un peu derrière eux. Oui. Alexandro. Alexandro. Arthur. Arthur maintenant. Giorgio Chiellini. Danilo. Chiellini. Giorgio Chiellini. Baptiste de Ligt. Baptiste de Ligt. Arthur. Cristiano Ronaldo. Attention, c'est pas terminé. Un ballon mal exploité. Ce sera une sortie de but. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère
Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Luka Modric, milieu de terrain très précieux qu'on va surveiller vraiment de près. Il est incontournable, partout où il passe, il laisse que des bons souvenirs. Il a trop longtemps été sous-coté, mais aujourd'hui, l'Europe et le monde reconnaissent son immense talent. Cristiano Ronaldo, attaquant que tout entraîneur rêverait d'avoir dans son effectif. Ah, il a tout, lui, la vitesse, le dribble, la puissance. Cette faute de la coup franc dangereux. Allez, un petit coup franc direct comme on les aime. Oh là, complètement manqué ce coup franc, n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de conviction dans cette frappe. Hein. Les joueurs du Real qui vont devoir se montrer sérieux hein, face à ce type d'adversaire. Regardez, là, tous les pronostics le confirment, on devrait assister à un match serré. Donc je ne vais pas faire pronostic, ça m'évitera de me gourer comme d'habitude. Ouais, ça presse haut, attention à ce ballon. Casemiro, contré. C'est une perte de balle pour le Real. Mendy. Avec Kroos. Casemiro. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Il n'y a personne pour gêner Asensio. Modric. Eh oui, il marque. Et l'arbitre assistant qui avait levé son drapeau. Le but va donc être refusé. Et le joueur qui n'est pas content, évidemment. Juan Cuadrado. Pablo Dybala. Les Madrilènes qui reprennent possession du ballon. Il vient au duel. Et il aurait fallu l'envoyer du ballon. Pas du Dybala. Pas très bien joué de la part de Dybala qui perd le contrôle de ce ballon. Récupération adverse. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Le Real Madrid a vraisemblablement le palmarès le plus riche hein, de tout foot mondial, foot européen en tout cas. Oui, c'est pas compliqué. Hein. Tu prends n'importe quelle compétition, tu peux être sûr que le Real l'a remporté au moins une fois. Ah, la Coupe de la Ligue en France, non. La Coupe Intertoto non plus. Non, ça la Coupe Intertoto, oui, c'est très juste. La Coupe Intertoto, certainement pas. Paolo Dybala. Ah, il aurait dû retarder son appel. Casemiro. Il glisse ce ballon en profondeur. Benzema, attention à lui. Et qui repousse, ballon toujours en jeu. Cristiano Ronaldo. Oh, la grosse faute alors que il partait au but. Les mains contre vous voyez là. D'une action de but, ça sent exclusion. Oui, carton rouge bien sûr pour cette faute. Exclusion plus que logique. Ah, c'est une belle occasion de prendre l'avantage dans ce match. Oui. Voilà, le score qui est donc ouvert, 0. Allez, dans le couloir. Federico Chiesa. Il centre vers Dybala. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Vous l'avez remarqué, mais effectivement, la possession est nettement en faveur du Real Madrid. Cette équipe a quand même du mal à amener le danger devant le but adverse. Tant qu'elle n'obligera pas la défense adverse à se découvrir un peu, bah, ce sera dur de revenir au score. L'arbitre qui accorde donc un coup franc au joueur du Real.
Je me demande s'il a bien évalué la distance par rapport au but de Kroos. Fernand Mendy. Karim Benzema. Oh, il avait intérêt à le récupérer, hein, ce ballon. C'est bien joué. C'est pas ce qu'il voulait faire. Il a perdu le ballon. Cristiano Ronaldo. Pas c'est trop appuyé. Ça ne donnera rien. Marco Asensio. Allez, il y a de l'espace devant lui. En retrait, dans l'axe, c'est dangereux. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue pas grand-chose parfois. Hein. Benzema. Allez, allez, ça doit aller au fond, ça. On n'a pas de quoi inquiéter le gardien. Non, il a voulu jouer au finesse, mais c'est complètement raté, en fait. Hmm. Je crois 11e. Oh, on a quand même. Il avance encore. Il est passé de mal. Ouais. Danilo qui va au contact. Allez, il y a un contre. Ouais, bel exploit individuel. Attention à lui. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Alors qu'on revoit la contre-attaque. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient trop le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. La réaction du public en cette fin de première période, Pierre. Bon, ce carton rouge, on n'a pas fini d'en parler. Hein. Non, ça devrait encore faire causer quelques temps, surtout si la rencontre se termine sur un score défavorable pour cette équipe. Hein? Mettre mon NSV. Max, je vous dis là. Ouais. Mais je te la passe mon année. Firmino sera là. Thiago, Fabinho, Wijnaldum. Alexander Arnold, Philippe, Williams, Robertson. Côté on a Cavani. Quatre des droits, côté. Cavani, Fernandez, Fred, Pogba. Non. On est au banc, ouais. Ils ont dominé la première période tranquillement. Hein. Grosse première mi-temps de leur part, c'est vrai. Maintenant, on espère que. Après le repos, il y aura un petit peu plus d'opposition en face. Il a bondi, il a jailli très vite, hein, le gardien. Elle est trop vite pour l'attaquant. Mendy. Wow, bien vu ça. Hasard. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. La contre-attaque qui se poursuit. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. La limite pour la possession. Toni Kroos. Ouais, il peut centrer. C'est un petit peu brouillon en défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon. Oh, il attrape le poteau. Le gardien sauvé par son poteau. C'est mené en profondeur. Trois coups de là devant. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Oh là, ça va être intéressant. Elle doit le ralentir parce que le hors-jeu ne paraît pas évident du tout. Eden Hazard bien servi sur le côté. Oh la faute, oui, il est allé trop fort. Il risque de prendre un jaune. Et le voilà averti maintenant. Bah, c'est mérité, hein. D'ailleurs le joueur ne bronche même pas. Oh, il était temps d'intervenir là. Paulo Dybala. Il va pas se complètement arrêter de Paulo Dybala. Mm-hmm.
ça c'est bien vu. Et toujours Dybala. Et touche pour le Real. Dybala qui centre. Oh la faute, penalty. Faute dans la surface. Oh l'entraîneur est fou. Les choses risquent de se compliquer encore un peu plus. Comment titre. Ouais, l'arbitre qui ne peut que siffler penalty, oui. Et même expulser le joueur. Cristiano Ronaldo qui le rate. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Dernière occasion qui alimente des statistiques sans appel à l'image du score d'ailleurs. Et d'un hasard. Oh, ça peut faire but. C'est contré. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Ah, ils continuent de développer leur contre-attaque. Ah, le contre restera là. Ils ont perdu le ballon. Et dans le tir qui est contré. Dybala. C'est sûr que quand on est en supériorité numérique, ben, c'est tout de suite plus facile. Le décalage se fait plus facilement et l'adversaire s'épuise un peu à courir après le ballon. 4-0, rencontre à sens unique. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ça va être difficile quand même pour les joueurs de voir un public aussi éteint dans les tribunes. Ouais, très difficile même. Ouais, c'est tout là, le chemin du but. C'est cette intervention du gardien. C'est une perte de balle pour le Real. Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention. Et c'est Thibaut Courtois qui remporte ce duel. Et l'occasion. Oh, le tacle glissé dans la surface, c'était gonflé. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Hasard. Oh, personne pour l'arrêter, et attention. Allez, faut essayer de créer un petit peu de mouvement. Oh, le pénalty. Pénalty pour le Real Madrid, le sifflet à l'instant pas l'arbitre. Pénalty. Pénalty, carton jaune, ça semble normal. Ouais, l'arbitre n'a pas été. Vas-y, donnez. Et il transforme son pénalty. Garanti de ce pénalty joué plein centre, mais le gardien avait choisi de partir sur un côté. Et vous le voyez au tableau d'affichage, ça fait donc 4-1. Attention, il y va tout seul. C'est exceptionnel hein, ce qu'il est en train de faire. C'est son troisième but. C'est son troisième but hein, dans ce match. Ouais, triplé, jolie performance pour lui. Là, vraiment, évidemment, il est en pleine confiance. Hein. Ils ont une avance très confortable à l'approche de cette fin de match. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Oh là, perdu pour perdu, il a décidé de tacler. Et sans réfléchir, je crois bien. Adversaire qui hérite de ce ballon. On s'attendait à un match serré. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Il tacle. Allez, le contre, il faut aller vite maintenant. Place là pour une contre-attaque. Sergio Ramos qui contre ce tir. Allez, le ballon peut quasiment remonter tout le terrain. Je dégrade quand la carte est givée là, oui. Ah, le pire, c'est que le gardien a vu arriver le danger devant, mais il a rien pu faire. Ils ont bien dérivé, oui. Et le score qui est impressionnant, oh, ça fait 6-1 désormais. Un petit peu de l'élément qui nous reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Eden Hazard. Il a perdu le ballon, Eden Hazard. Ah, dans les moments de dans cette minute. Cristiano Ronaldo qui cherchait un coéquipier, il ne l'a pas trouvé. Ah non, mauvaise passe, le ballon qui est rendu à l'adversaire. Bon, on va pas se mentir, ils sont en train de prendre une grosse raclée là. Ouais, c'est vraiment pas fameux de la part du Real, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais décidément, il n'y a pas grand chose qui fonctionne dans ce match. Bien donné encore une fois. Oh, il s'est ouvert un boulevard. Oh la faute, attention à la décision de l'arbitre, parce que là il a anéanti l'action de but. Attention le danger,
Ouais, la quatrième qui rate le cadre. Et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Il ne reste plus que 3 minutes de jeu. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Allez, il y a de la place dans le couloir. C'est une intervention qui n'a pas du tout plu à l'arbitre. Et la faute, bien sûr, et le carton jaune. C'est pas possible là, il méritait rouge, Hervé. Marquer son coup franc à cette distance, c'est dans les cordes de Tony. Ah, c'était bien joué, mais ça passe à quelques centimètres du poteau. Ouais, je crois bien que le gardien a été battu, hein. Dommage. L'arbitre a décompté 2 minutes. Ah oui, c'est le jeu. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. Il semble prendre un avantage quasi décisif. La passe interceptée de Karim Benzema. Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention. Toi, attention, c'est pas terminé. C'est terminé. La fin de la rencontre. Et une saison qui commence bien mal pour cette équipe qui est battue la première journée. On a un peu comme un sentiment de déjà vu. Ouais, forcément, ça rappelle les problèmes de la saison dernière. Allez. Mettez-les,